Je vais vous présenter la suite des aventures du lieutenant fribourgeois Dragon Piton et de la correspondance avec son ami, le colonel Charmer. Dans le premier épisode, nous avons découvert que le lieutenant Dragon fribourgeois accepte la mission que lui confie son ami, le colonel Beat Emmanuel Charmer, qui tous deux sont restés fidèles à l'ancien gouvernement de Berne. Charmer lui demande de retourner dans le pays d'en haut, les Ormonds et l'ancien bailliage d'Aigle, en compagnie de son domestique et d'un ami du lieutenant, pour enquêter sur les événements qui se sont déroulés le 5 mars 1798. Dans la correspondance, nous découvrons dans ce premier épisode que le lieutenant a tenu à relater certains faits historiques qui ont préparé ces événements, à savoir la Révolution française, le massacre des gardes suisses en 1782 à Paris, puis l'évolution de la Révolution en France et en Suisse dans la Confédération des 13 cantons et notamment dans le Pays de Vaud qui a fait sa propre Révolution le 24 janvier 1798. Dans ce premier épisode, nous découvrons dans la correspondance du lieutenant les effectifs, les positions, la tactique des Français, des Vaudois aidés par des Bavalaisans, ainsi que les effectifs et les positions des Bernois et des Ormonnans. Il est aussi utile de rappeler qu'à cette époque, le pays des Ormonds était isolé de la vallée du Rhône, car ce n'est que vers 1839-1840 que la liaison entre Aigle et les Diablerets a été établie, et pour la liaison Baie-Grillon, le col de la Croix, en 1857. Car à l'époque, il n'existait que des chemins, que des sentiers pour les hommes et pour les mulets. Suivez-moi dans ce deuxième épisode et la suite des aventures du lieutenant Dragon Piton. Mon cher lieutenant, merci pour vos recherches et divers témoignages. En effet, dès le 2 mars, j'avais quelques informations sur la situation à Aigle, Hollon, B et sur la préparation imminente d'une attaque. Le général Derlach avait enfin, après moult discussions, réussi à convaincre les politiques, nos excellences de Berne, à attaquer. Mais cette attente nous a été fatale. En effet, il fallait attaquer avant que le général Brune n'ait l'appui du corps de troupes nord de Schauenburg. Nous aurions certainement eu le dessus. Mais le doute, les tergiversations de nos excellences ont anéanti nos chances. Bref, le 3 mars, cher lieutenant, en effet, j'ai ordonné d'allumer les feux de mobilisation sur les points d'alerte. Le 3 mars, j'étais informé, même le 2 mars, de la préparation des troupes du bas. Et selon mes sources, le français Chastel, ce général de peu d'honneur, voleur, d'après mes renseignements, aurait décidé de diviser ses troupes gauloises et autres vendues à l'envahisseur tricolore en deux colonnes.
Qu'en est-il, cher lieutenant, à ce sujet des 2, 3 et 4 mars de leur côté? Cher colonel Tcharner, si j'ose me permettre, eu égard à notre amitié et à votre rang, je sens, que dis-je, je perçois dans votre dernière missive une blessure profonde, inguérissable, aveuglante sur ces événements et sur votre implication personnelle. J'espère, mon cher colonel, que vous n'allez pas me blâmer d'émettre ces quelques propos à votre sujet. J'ai entendu d'ailleurs sur votre personne des discours et un profond respect. En effet, votre présence au CEPE le 9 février 1798 avec vos proches officiers, notamment de Disbach, votre aide de camp, et le lieutenant-colonel Fischer, qui a rétabli la situation sur vos ordres à Lézin, ainsi que l'excellente idée de nommer l'ormonan et sergent Chablais au grade de colonel et de le désigner responsable du secteur Cépet, Lézin, La Forcla, qui était, somme toute, une idée géniale. Mais oui, mon colonel, vous avez fait le maximum en cette période trouble et sombre. Si tous les officiers, sous-officiers, soldats et politiciens en avaient fait de même, notre nation serait en ce moment libre. Et nos Wallstätten morts sur les champs de bataille de Sempach, Morgarten, Mora seraient fiers de nous. Au lieu de cela, ils pleurent et se désespèrent de nos villes autorités qui collaborent et s'agenouillent devant le nouvel ordre soi-disant fraternel. Après ces quelques appréciations, cher colonel, je reviens à la narration factuelle de ma mission et de mes comptes rendus. Cher lieutenant, je vais être très bref. En effet, cette période a été très dure pour ma personne et j'ai beaucoup perdu. Pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan affectif. S'il vous plaît, lieutenant, essayez d'être en effet plus factuel et évitez de mêler l'émotionnel à vos comptes rendus, car cela ne fait que me détruire. Merci. Cher colonel, j'ai capté les informations et les éléments que le général Chastel avait décidé le 2 ou 3 mars de diviser en deux ses troupes. Sa tactique étant d'attaquer deux secteurs dans un seul but, repousser les troupes de Berne et soumettre les ormonans à l'ordre nouveau. Aigle, Cépet, La Forcla, première colonne, B, la Croix d'Arpille, Ormont dessus, deuxième colonne. Puis, par le Pillon, les Mosses, s'infiltrer et direction la capitale Berne. Les 3 et 4 mars 1798, les troupes du bas helvético-françaises s'ébranlèrent. Et une patrouille française est signalée dans le bois de la Chenau. Selon mes informations, le général français Chastel, le général de brigade vaudois Clavel, deux compagnies françaises et deux lémaniques,
de Bergier et Blanchenet, avec un détachement de mineurs des mines de sel du directeur Wild, font mouvement d'Aigle direction Olon, puis la vallée de la Grande Eau. Ils grimpent à Panec et ils passent la nuit à Plambuy. Selon des témoins, une compagnie, celle de Cossy, devait par le Dard et sur le flanc des Chamosserres attaquer par surprise la Forcla où vous aviez un noyau dur qui se tenait prêt. Clavel, Bergier et Blanchenet, eux, devaient se diriger directement sur la Forcla. Je parle au présent et au passé, vous ne m'en voudrez point, mon cher colonel. Chastel, lui, avec le gros de la colonne, devait, par Exercio, s'emparer du Cépet en longeant la Grande Eau et enfoncer le point d'appui du pont de la Tine. Malheureusement, le nombre d'ennemis a eu rapidement le dessus à Exercio sur nos troupes. Les témoins dignes de foi m'ont indiqué qu'au lieu dit les Granges, une certaine résistance a freiné les assaillants et un nommé Frédéric Monod s'est battu vaillamment et a donné sa vie pour Berne. Il avait été un prestigieux soldat suisse au service de Hollande auparavant. Au pont de la Tine également, dans cet endroit stratégique et escarpé, vos 12 carabiniers, oui 12, dans une première missive, j'avais été mal informé, ont lutté avec force et conviction, cher colonel. Et un certain Abraham Dupertuis a dirigé et organisé la mise en place d'une redoute. C'était un ouvrier du génie et un artificier. Malheureusement, malgré ce passage difficile, les 12 carabiniers ont dû céder face au nombre considérable des assaillants. Le ciel descend en contournant par le col. Abraham Dupertuis, lui, regagna sa maison du Cépet et continuera à se battre âprement. Selon mes informations, le courageux Ormenant sera mortellement blessé par son arme qui a explosé. Et une seconde version est qu'il serait mort au pont de la Tine. De là, la colonne Chastel se dirigea au Vernet, à 700 mètres du Cépet, et une seconde colonne par le pont des Planches, en dessus du pont de la Tine, protégée par des chevaux de frise, ils attaquèrent le Cépet. Il semble, cher ami, que le colonel Chablais se soit rendu aux Français lorsqu'il a entendu que la Forcla était tombée et qu'il allait être attaqué de deux côtés, et que les carabiniers d'Immobersteg du Simmental se soient mutinés. Et une autre version, qu'une résistance importante se soit déroulée avant la reddition. Toujours est-il qu'en effet, le général Chastel veilla à ce qu'aucune exaction ne se produise à cet endroit. À la Forcla, où je me suis entretenu longuement avec certains habitants, c'est l'endroit où le sang a le plus coulé parmi vos anciens sujets dans ce secteur, et où le drame des générations a le plus apporté de souffrance, cher colonel. Le capitaine Pictet, déjà d'un certain âge, tenait bon derrière les barricades à l'entrée du village avec ses carabiniers. Un combat opiniâtre malgré des pertes importantes. Deux des fils de Pictet combattaient avec les Lémaniques.
À l'arrière du village se tenait de Graffenried avec ses Bernois, avec sa compagnie. L'arrivée de la compagnie Cossy sur le flanc par les Chamossaires a semé la panique. Et avec la perte de deux fantassins, ils battent en retraite, direction la Grande-Eau et Rosée. Le reste des combattants, pris en tenaille, se bataillent maison par maison. C'est le seul endroit à ma connaissance où une maison a été incendiée et d'autres pillées. Dans une maison, six ormonnants blessés avaient trouvé refuge. Et où les blessés et rescapés ont été maltraités dans ce village. Parmi les tués, une bonne connaissance de votre excellence, le justicier David Vurlot. Chez les Lémaniques, c'est une vingtaine de blessés et de morts. Un lieutenant bourgeois et un tambour-major, le dénommé Seine de Lausanne, qui reçut plusieurs balles, car son uniforme faisait croire qu'il était gradé. Quelques rescapés se déplacèrent vers l'église pour rejoindre les détachements d'Ormont-Dessus. Et les deux compagnies du Simmental et la compagnie de Graffenried se rejoignent à la Lécherette. En ce qui concerne la colonne de droite, maintenant mon colonel, sous le commandement du lieutenant-colonel Gabriel Forneret, récemment revenu de Sardaigne, en service au régiment Stettler, il y avait deux bataillons de Vaudois, Forneret et Desailleux, trois compagnies de Français et une compagnie de mineurs de Wilde, au total 1500 hommes. Le trajet assez long obligea la colonne à s'ébranler le 4 mars vers 11 heures. Elle se dirigea vers Grillon, s'y arrêta longuement pour se reposer, car la montée dans cette haute neige était très pénible. En fin de journée, elle s'arrêta au lieu dit de Taveyana pour se reposer et reprendre des forces. La colonne a perdu plusieurs hommes, notamment un dénommé Chérix, très connu à B. À Taveyana, un début de mutinerie. Des Français eut lieu. Un chalet a été brûlé de rage pour se réchauffer. Et l'officier qui a choisi cet itinéraire a failli se faire lyncher. Un Français, paraît-il, a dit tout fort. Capitaine, j'ai jamais calé au combat. Mais ce pays, c'est pas un pays, dites. On voit bien que le bon Dieu, il est jamais venu par ici. Reprends ta place. Il semble, d'après les récits de ces soldats, que c'est Forneret qui, imperturbable, a calmé la troupe et rétabli l'ordre. Dans la nuit, selon certains, il y a eu un mauvais présage. Devant l'âtre, avec ses officiers, une escarbille a enflammé les plumes du chapeau du lieutenant-colonel. Bien avant le jour, Forneret désigna un détachement d'avant-garde. Puis, sous un brillant clair de lune, la colonne se mit en marche, direction la Croix d'Arpille. Au premier rayon du soleil, elle arriva au sommet du col. C'est quelques centaines de mètres plus bas que les Lémaniques ont forgé un nouveau héros. En effet, il y avait eu le martyr d'Avel, le fameux major. Et dans ce décor majestueux de la Croix d'Arpille, au pied des fameuses pyramides de gypse, et du massif
des diablerets, le sang a coulé dans un ultime affrontement où, aussi incroyable que cela paraisse, vos troupes et autres sujets n'ont pas exploité cette victoire. Mais c'est dos à dos que les combattants ont quitté ce lieu. Souvenez-vous, vous aviez disposé deux avant-gardes sauf erreur dans la descente du col. Un poste à l'alpage sur le Mazo, à la lisière de la forêt d'Aigues Froides, en hauteur et en enfilade. Là, un feu nourri sur les Lémaniques a semé le désarroi et fait de nombreuses victimes sur l'avant-garde de la colonne. Puis, profitant du désarroi, ils se retirent dans un hameau situé plus bas pour rejoindre les renforts des îles Ormont-Dessus au lieu dit Tréchadez. Vos troupes avaient abattu quelques arbres autour de ce hameau et même un certain Jean-David Giraud a été écrasé par la chute d'un sapin. Entre-temps, sous les ordres de Fischer, d'une compagnie de Landwehr venant de Gsteig-Lauenen, des compagnies et citoyens Moilan, Culan, Moïse-Pernet et Richard, en tout 200 fidèles, arrivèrent à Tréchadez, décidés à se battre contre les Lémaniques. Même si je ressens de l'amertume et du regret chez vos anciens sujets, je perçois encore maintenant une certaine fierté d'avoir été là, à Tréchadez, pour se battre sous les couleurs de Berne et du pays des Ormonds. Le combat a duré plus de 3 heures à cet endroit. Des carabiniers lémaniques de Grillon ont contourné Tréchadez avec des fins tireurs. Et pendant ce temps, malgré la neige et le peu d'espace, Forneret, qui encourageait ses troupes, voulut tenter une nouvelle attaque de front. Il s'élança à la tête de son détachement, sabre au clair. Malgré, selon certains, il aurait eu une côte de maille qui ne l'aurait point protégé. Et c'est un fossoir tiré par un carabinier ormonin, Moïse Nicolier, que Gabriel Forneret s'écroula très gravement blessé. Stupéfait et découragé par cette tragique nouvelle, les Lémaniques emportent le chef de colonne, rassemblent quelques blessés, mais de nombreux autres blessés et les morts gisent dans la blancheur de la neige des Ormonds. La troupe quitte le col, Forneret va rendre son dernier soupir à Grillon. Là, le soldat Pierre Broyon de Grillon a été enterré au pied de l'église. Les villageois y ont planté aussi un tilleul. Fischer et son détachement voient s'éloigner la colonne lémanique. Affaiblis, fatigués, découragés par le manque de munitions, de ravitaillement, une large majorité décide de redescendre sur les îles. Même si certains poussent à se lancer à la poursuite de la colonne lémanique. Une fois au plan des îles, ils apprennent la capitulation d'Ormont-Dessous, additionnée à des bruits de trahison. Les hommes prirent congé de leur chef, rentrèrent dans leur chalet et cachèrent leurs armes. Certains suivirent le capitaine Fischer et ses carabiniers bernois jusqu'après le col du Pion. Deux jeunes ormonans, d'ailleurs, changèrent d'avis en cours de route et cachèrent leurs armes sous un chalet au lieu dit Grund.
Plus précisément, Inersgrund. Et retournèrent à Ormont-Dessus. Je suis allé me recueillir sur les tombes de certains, comme Jean-Pierre Bonzon des Vouettes, Abraham Pictet d'Ormont-Dessus, Jean-David Pichard, Moïse Favre, Alezin. C'est seulement le 6 mars que le capitaine Kupfer, sous la pression de ses officiers, des informations de capitulation et une fois encore de trahison, qu'il se décida à quitter sa position. Il se retira avec quelques fidèles par les Mosses sur Châteaudet. Kupfer, d'ailleurs, que j'ai rencontré, ne comprend pas que le colonel Chablais se soit rendu et n'ait pas daigné demander du secours pour le renforcer au Cépet et appuyer aussi le pont de la Tine. Et Chablais, lui, ne comprend pas que Kupfer n'ait pas bougé lors des échanges de tirs. Je suis allé, mon colonel, selon vos ordres, déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de votre regretté domestique assassiné. Et de Graffenried m'a indiqué qu'il n'avait eu la vie sauf que grâce à sa fuite en Valais. Selon Mangouri, il y aurait eu du côté lémanique et français 400 morts. Mais il pense aussi de nombreux déserteurs. Forneret a eu droit à des funérailles mémorables à B. Enterré sur la place principale de B, au pied de ce fameux arbre de la liberté si cher aux révolutionnaires, son cercueil fut porté par 12 officiers et de nombreuses jeunes filles habillées de blanc avec des couronnes de laurier sur la tête. Chastel ordonna la construction d'un monument. De nombreuses personnalités étaient présentes. J'ai glané également quelques informations sur ce lieutenant-colonel. Il est né à Romainmôtier, dans le Jura vaudois, le 2 février 1763. D'un père commerçant, il a d'abord travaillé avec lui, puis a fait carrière militaire dès l'âge de 22 ans. Il était lieutenant dans les régiments Charnère, eh oui, en Sardaigne. Régiment qui, vous le savez, change 3 fois de nom en peu de temps. Capitaine lieutenant à 35 ans. Il regagne Lausanne en 1797 et en janvier 1798, il est nommé chef de bataillon de la milice vaudoise. Ma conclusion est simple, mon colonel. Vous teniez le haut, vous aviez l'avantage du terrain, des positions renforcées. Néanmoins, manque de munitions, manque de ravitaillement, manque de soldes pour payer les hommes. Manque de renfort, dispositif très grand, communication difficile, trahison et défaitisme. Ces combats, malgré tout, ne sont pas une défaite, mais un manque d'exploitation et un concours de circonstances dû à la fatalité et au destin de la défaite du gouvernement de Berne. Une grande majorité de vos sujets
ont toujours les yeux tournés vers Berne. Mais vous ne pourrez pas mobiliser les jeunes générations vers vous sans réforme. Le souffle d'une nouvelle confédération est en marche dans la vallée. Malgré le comportement très autoritaire et revendicateur des Français. Mon colonel, mon cher ami, vive Berne, vive nos excellences. Moi, lieutenant Dragon Piton, fribourgeois qui reste fidèle à ses excellences de Berne en l'an de grâce 1799, je reste à vos ordres et espère que ma mission vous aura apporté entière satisfaction. Aux braves Abraham Dupertuis, Frédéric Monod, David Vourlot, tombés le 5 mars 1798.